bien sûr. Ça bouge en blanc. Ah oui. Ça a bougé. Hein. Tu vois. Ah, ah, il dérume un ami. Il dérume un ami. Il chère. Ça signe l'enfant. C'est pas du travail. C'est hein. Récent d'arriver. Hein. Trois fois été à réparer la voie. La fin c'est cassé. C'est bon. Du coup, dans les... difficilement une telle. Hein. Vous n'avez rien dit. Complètement. Mais d'accord, on l'a même mis à la tasse. D'accord, j'ai mis à la Guinée. Mais c'est une zone d'extension du monde. Oui, oui. Attends, là, on a dit que tu fais un marra. On a dit que tu fais un marra. À gauche. Oui. La Guinée à votre gauche. Ah, ah, ah. 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 Donc la zone glisse. Moi, je connais déjà où je suis. Donc, quel est le comité à Den, des recours à travers les autorités italiennes, etc. Il y a eu effectivement des passages tels que le Wallion 2006 et à Den. Donc, il y a eu la zone. Et c'est une zone qui s'étale sur un kilomètre. Un kilomètre, justement. Donc, sur un kilomètre à la guerre, d'après le recensement dernièrement avec l'ensemble du comité, nous faites 60 habitations menacées par le glissement à la guerre. Donc, dernièrement, ça remonte au mois de février, il y a même le dernier recours, Monsieur le Wali de Tizi Ouzou. Donc 25 jours, le 25e jour effectivement, par d'une commission, il a eu là, ils ont vérifié, ils ont constaté. Ben, il y a eu une décision du Wali pour éventuellement prendre en charge Maral Iglis Mouagui. Et il connaît Mathieu Hachemar Fenigir Sahel pour répondre
aux travaux, à la réalisation de ce qu'il faut concernant ce glissement. Nous avons dit l'Andris Ouaman. L'Andris Ouaman, et puis il y a un axe principal d'assainissement tête-d'air, donc Ségidiada. Donc elle est décalée, elle est détériorée, donc l'assainissement sera... Oui, donc il n'y a qu'un malassé. Si on peut dire ça, le gros balek de l'assainissement à Gifidifken, mais c'est une zone qui bouge. Ça fait longtemps, hein, qu'il y a des ressources de chemin. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est okay. À nous de. À propos du glissement, hier, je lance un message à travers Sahel. C'est qu'on adore bien, ou qu'il a terrain de le glissement hier. Sinon, les citoyens Sahel, c'est l'Ahnara, on était l'Oufta hier. On va passer à des protestations, à des journées de protestations plus intenses. Moi, tu l'as dit, je suis allé à la maison. 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 Voilà, toujours, c'est ça dans le temps. Donc, je suis allé bien qu'il fasse très vite, qu'il prenne en charge très vite notre problème. Comment est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Ben, on attend à ce que les autorités viennent mais bien sûr, de toute façon, il y a des services concernés pour ça, pour les glissements, pour le... ben, ils vont faire ce qu'ils ont fait à Azazga il y a une semaine. Oui. Semaine, Azazga, le lendemain, de monsieur le ministre. Alors que ça, c'est le journal de mettre. Très bien, Inch'Allah, voilà, merci.